Et au Maroc, les centrales syndicales ont appelé au retour aux classes après la signature avec le gouvernement ce dimanche à Rabat de l'accord portant sur l'amélioration du salaire des enseignants. Dans des déclarations à la presse, les représentants des syndicats de l'éducation ont souligné que cet accord apporte des acquis au profit des enseignants, notamment la hausse des salaires et le règlement de certains dossiers catégoriels et de nature à rendre à l'école publique ses lettres de noblesse. Dans ce sens, le secrétaire général du syndicat national de l'enseignement relevant de la Confédération démocratique du travail, Younous Felachine, a affirmé que cet accord constitue une avancée importante, ajoutant que l'activité scolaire doit reprendre dans les écoles publiques pour ainsi permettre aux élèves de bénéficier de leurs droits de poursuivre leur scolarité, et ce dans l'attente de l'entame du deuxième round prévu à partir de la semaine prochaine.